Pancakes, c'est kemep berlin, c'est comme des crêpes, mais plus épaisses. Donc, tout d'abord, il nous faut 25 ml de lait, 150 g de farine, une goutte ou trois gouttes de vanille, comme vous voulez, une cuillère, petite cuillère à café, hein, de levure, une pincée de sel, deux œufs et quatre cuillères de sucre. Alors, tout d'abord, on va mélanger tous les produits secs. On va mettre la farine. Une pincée de levure. Une cuillère de levure. Côté. Une pincée de sel. Le sel, jamais le mettre avec la levure. Voilà. Les 4 cuillères à soupe de sucre. On mélange le tout. Après, donc là, on va séparer les jaunes d'œufs au blanc d'œuf. Voilà. Le jaune d'œuf, on le met avec la farine. Voilà, ça c'est poubelle. Donc là, après avoir rajouté les deux œufs, on va mettre une petite goutte de vanille. Ça c'est pas obligé, hein. Une petite goutte. Voilà. Alors ça, je vais le mettre de côté. Je vais renverser mes œufs blancs pour les monter en neige. Voilà. Donc, je vais monter mes blancs en neige. J'ai monté mes blancs en neige. Je pose ça à côté. Je vais mélanger mes œufs à ma farine et rajouter petit à petit un peu de lait. Et toujours mélanger. Voilà. Donc les amis, quand vous avez bien mélangé, pour que votre pâte elle soit comme ça, onctueuse, pour après, voilà, rajouter notre blanc de neige. Hop, vous voyez comment c'est, petit à petit. On va tout renverser.
et on mélange délicatement. On promet délicatement. Voilà. Allez, hop. Après, on le fouette tout délicatement. Juste pour faire rentrer le blanc d'œuf, à l'intérieur de la pâte. Voilà. Regardez. Alors voilà les amis, quand c'est bien incorporé, pas besoin de faire fort hein, ou vite, hein. Tranquille, tout doucement. Voilà. Et là, je vais la laisser reposer 15 minutes pour que la levure ait agi. Je laisse reposer tranquille 15 minutes et je vous dis à tout à l'heure à la cuisson. Nous revoilà 15 minutes plus tard. Donc, vous mettez du beurre ou de l'huile dans votre poêle. Voilà. Hop. Je vais le préchauffer. Donc, on va mettre une louche. Bismillah. Moi, je vais mettre une cuillère de pâte, du chocolat. Voilà. Et on va recouvrir. Et on laisse cuire tranquillement. Ma fille joue avec ses jouets. Hein. Quand ça a bien gonflé, on le tourne tranquille. Et voilà, ça c'est cuit et on le pose là. Il rebelote, on refait pareil. On va mettre du chocolat. Voilà. Et on va remettre par-dessus un peu. Et on laisse cuire tranquille. On va, bismillah, retourner, 1, 2 et voilà,
C'est comme des crêpes, c'est comme berlines et tout, mais c'est américain, ça s'appelle des pancakes. Voilà, on est retourné tranquille. J'ai pas de spatule, donc faut que j'en achète une. Hein. Mais bon, là c'est le confinement. Très facile à faire et très rapide à cuire. Après, c'est pas obligé de mettre du Nutella dedans. Hein. Vous pouvez les faire nature et après vous mettez ce que vous voulez, du miel, du sirop d'érable, du Nutella, de la confiture, ce que vous voulez. Voilà. Hop. Et hop, un deuxième. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai fini mes pancakes. Moi je les ai fait fourrer au chocolat. Voilà, regardez. Hop, bismillah, on va goûter une. Bon, il en a resté une, je ne sais pas, vous voulez la faire nature. Regardez comme ils sont. Alors, on va commencer épais. C'est très bon. Plein de chocolat. Donc, les amis, si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit partage et abonnez-vous. Bismillah. Oh là là. C'est vraiment délicieux. Faites-le, c'est facile à faire. Ça prend pas de temps. Tout le monde a ses ingrédients à la maison. C'est très 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 facile.